À promettre, je vais promettre aussi. Et puis, voilà, moi je promets. Oh, laisse pas crier chez Esba. Moi, par exemple, je promets désormais que tant qu'il ne m'attaque pas, je ne l'attaque plus. Mais je ne veux même plus qu'on s'attaque. Cet esprit-là n'est pas bon. On est un esprit de rassembleur aujourd'hui. On est un esprit pour faire avancer les choses. Toute personne qui va essayer de rentrer entre lui et moi va rester. Que tu sois femme, garçon, ou mes amis de Debodo, ou mes amis d'Arafat, c'est moi qui le gère maintenant. Lui et moi, on se gère maintenant. Il ne veut plus et personne ne va rentrer. Parce que ce que je vais lui dire, il va m'écouter. Ce qu'il va me dire, je vais l'écouter. On va se donner des idées. Et sachez que le bruit est recollé maintenant. Donc vous connaissez. Ceux qui ne seront pas avec nous, ne seront pas avec nous. Mais ceux qui seront avec nous, vont goûter le futur. Manger au Phuket, tout ça, ou un peu. Alors les gars, vous avez bien suivi. Arafat a promis et il a cité plein de choses. Seulement, il manque de citer l'argent. Nous savons tous en Côte d'Ivoire que il y a deux choses, uniquement deux choses qui peuvent séparer deux amis. La femme et l'argent. Arafat cite les autres, il parle d'amis et tout, tout, tout. Mon chien et tout. Mais il ne parle pas d'argent. Toute personne qui va essayer de rentrer entre lui et moi va rester. Que tu sois femme, garçon, ou mes amis de Debodo, ou mes amis d'Arafat, c'est moi qui le gère maintenant. Lui et moi, on se gère maintenant. Il ne veut plus et personne ne va rentrer. Parce que ce que je vais lui dire, il va m'écouter. Ce qu'il va me dire, je vais l'écouter. On va se donner des idées. Et sachez que le bruit est recollé maintenant. Donc vous connaissez. Alors moi, j'espérais que ce soit maintenant Debordeaux qui en parle dans sa promesse, vous voyez, et qu'il dise, bon, on sait tous et c'est connu de tout le monde. Voilà, lui-même le dit, il aime l'argent. C'est clair. Donc cette fois-ci, j'espérais que Debordeaux fasse la promesse que même l'argent ne pourra pas les diviser. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Debordeaux a dit? Allez. Bon, que les fanatiques, donc voilà, il était clair, voilà, désormais. C'est pas qu'on va pas se prendre la tête, c'est normal. Non, enfin, moi, je veux plus me prendre la tête avec toi, man. Non, faut qu'on soit clair, on est des hommes. On peut avoir les antécédents, tu vois. Ouais, c'est clair. Man, il parle d'antécédents. Vous avez déjà tous les deux des antécédents. Arafat aussi, il valide sans savoir exactement ce que le mot antécédent veut dire. Peut-être qu'il le sait, mais je ne sais pas, comme Debordeaux a parlé là, il a validé. Non, il faut qu'on soit clair, on est des hommes. On peut avoir les antécédents, tu vois un peu. Ouais, c'est clair. On peut avoir les antécédents, on peut avoir quelques, voilà, un peu de collision, tu vois un peu. Mais après, voilà, c'est pas dans un esprit de, un esprit malsain, comprenez sur tout ça. C'est la famille, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, voilà. Donc, le couper, les coller va de l'avant. Et en tout cas, je demande aussi à certaines personnes de pouvoir un peu suivre l'exemple, cet exemple, voilà. 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 On est ensemble, là. C'est la famille, c'est de Bordeaux, c'est Arafat. Voilà. Donc, comprenez surtout. Et puis aussi, les fanatiques. Arrêtez de vouloir vous monter, de vouloir monter un peu les esprits par rapport aux fanatiques. Parce que, faut qu'on soit clair. Vous ne pouvez pas nous diviser. S'il y a personne qui a les personnes qui peuvent nous diviser, c'est nous-mêmes et c'est nous deux. C'est tout. C'est tout. Nous, on ne peut que vous faire danser. Et voilà. Moi, il y a machine, il a ses manias. Okay. Qui dit va changer, il faut changer. Non, il change. Alors, vous voyez, Debordeaux aussi a parlé sans mentionner que même l'argent ne pourra pas les diviser. C'est vraiment dommage. Et ils sont restés là-dedans jusqu'à ce qui arrive, ce qui est arrivé. La suite de l'histoire, vous la connaissez. On est tombé dans les histoires de moi a dit que. Toi a dit que, moi a fait que, toi a fait que, vous comprenez. Et puis, bam, cassure totale. Alors, qui avait réellement raison? Moi, j'ai donné raison à Debordeaux dans le temps. Si vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo pour donner raison à Debordeaux. Parce que bien avant ça, bien avant que Debordeaux se prononce sur l'histoire de sponsor, c'est parce que c'est sur ce point-là que j'avais donné raison à Debordeaux. Voilà, donc Arafat, bien avant que Debordeaux se prononce là-dessus, Arafat avait dit ceci. Bon, les fans. Arrivé un moment, moi j'ai voulu mettre fin au clash avec mon ami, vous voyez un peu. J'ai voulu enterrer la rage de guerre. J'ai voulu vraiment que les choses marchent entre lui et moi parce que je me suis dit, on ne va pas tout le temps continuer à faire la guerre. Il faut donner l'exemple. Voilà comment est-ce que
Moi, j'ai mis fin au clash, ok? Parce que j'ai compris que dans la vie, j'ai vraiment compris que dans la vie, à un moment, il faut grandir. Voilà, je ne vais pas être trop long. C'est personne qui m'a conseillé de me réconcilier avec mon ami. Voilà, c'est personne qui m'a dit, toi, laisse tant, ou fais tant, ou fais ceci, ou fais cela. C'est personne qui m'a dit ça. C'est moi qui me suis levé et qui ai décidé de me réconcilier avec mon ami. Voilà, donc quand on est rentré au pays, avant de rentrer au pays, déjà, moi, j'avais déjà été contacté par un promoteur de spectacle qui voulait que je fasse un concert en décembre, puisqu'il a aimé le concert du 31 mars à Yopougon. Donc, le promoteur a aimé et il m'a contacté. Donc, je lui ai dit, OK, quand je rentre à Abidjan, ben, on se voit et puis on signe le contrat. Mais comme je venais de me réconcilier avec mon ami, quand je suis rentré à Abidjan, j'ai vu le gars. Et je lui ai dit, mais écoute, moi, je me suis réconcilié. C'est moi qui lui ai dit. Ben écoute, je me suis réconcilié avec de Bordeaux et tout. Hein? Et voilà, j'aimerais qu'il fasse partie du concert que tu veux faire avec moi. Ce n'est pas une obligation. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu fais mon seul mon concert. Moi, je l'ai fait par gentillesse. Moi, je croyais aider. Hein? Voilà, je croyais aider, je croyais trouver des solutions. Alors, sur ce point, il avait parfaitement raison. Il a vraiment été gentil. Et je ne vois pas un artiste en Côte d'Ivoire qui peut faire ça. Mais bon. On continue. C'est dans la suite que j'ai donné raison à des Bordeaux, au fait. Allons-y. Et j'ai même dit au gars, écoute, mais sur le concert, s'il y a des sponsors, moi, je veux au moins quand même ma part et aussi la part de mon ami. Mais sur le concert, s'il y a des sponsors, moi, je veux au moins quand même ma part et aussi la part de mon ami. Donc, c'est comme ça que le promoteur a dit qu'il n'y a pas de souci. Vous voyez, donc Desbordeaux était complètement dans ses droits de réclamer quelque chose par rapport aux sponsors. Mais l'autre phase, les histoires de non, moi je dois presser, moi je ne presse plus, ou bien moi dit que moi je. Ou bien on m'a. Tout ça là, machin. Bref, je ne sais même pas comment détailler ça parce que ça a créé un tohu-bohu pas possible, tout était mélangé, on ne sait pas qui on va écouter. Qui on doit, à qui on doit donner raison et tout ça. Tout ça, on va le savoir en musique. Parce que, rappelez-vous, Desbordeaux est en train de préparer un album. Il y a un autre single qui doit aussi sortir bientôt, juste pour apprêter l'album, vous voyez. Donc, on est en retard, on attend. Voilà, Desbordeaux, qu'est-ce que tu vas dire? Nous tous, nous le savons déjà, il va se prononcer dans cette chanson et il va dire exactement certains détails qui nous ont échappé. Et ouais, c'est pourquoi nous sommes suspendus aux lèvres de Desbordeaux. Man, parle un peu là. En musique, bien sûr. Clash musical. Alors, on va écouter ce que tu as à dire. Arafat Didier, lui, déjà, il se prononce dans certaines chansons et tout ça, machin. On écoute et puis bam, on cherche à avoir la suite. On ne va pas que écouter Arafat Didier, Desbordeaux. Toi aussi, tu as droit à la parole, n'est-ce pas? Voilà, tranquille. Mimi, tu as pas moi un peu? Je moi. Non, faut dire. On m'a appelé comme il appelle. Rappelle-moi comme il appelle. Viens. Comment on va? Mimi. Mais pas de me faire ça. Fais. Mimi. C'est quoi ça? C'est le nouveau Charlie de Bordeaux. Ah. Ah, tu m'as mort, tu connais mon nouveau. La main dit, mais oui. Ah non, j'ai changé, mais ouais. Mimi. C'est quoi Mimi là? Mimi. Vous dites Mimi. C'est ma pangoisse. Moi, c'est le ex-tabana que tu payes. Alors, c'était très beau de vous voir ensemble. Ça, je l'avoue. Je vais aller mettre les images un peu encore. Donc, en gros, c'est une histoire de. Koto le cacabola, tobi na fala barundo, ta chambre se comme maman, masala la bateau de bébé. Et Bordeaux de Koufa, bébé Philippe, Arafat, il n'y a pas l'homme. Vous avez problème parce que maintenant on va vous traumatiser, ce qui va venir. Oh putain, c'est pas bon. Et ça va. Mimi. Pour envoyer ton acapella, man. C'est comme ça que tu dis merci à tes fans. Le gars, mon soeur, si tu te rappelles les paroles. C'est quoi, non? Quand on le cacabala, tu n'as pas d'abandon. Ta chambre, c'est comme maman, ma zaga le bâtiment. Je vais te le couper. C'est moi, Rafa,
vrai Kodoko. Kodoko, 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 Kodoko. Mais man, après ça commençait à devenir une coalition contre Serge Beno et le reste et tout ça, vous voyez. Donc du coup, voilà, c'était un peu trop bizarre, il n'y avait pas assez d'équilibre. Mais maintenant que chacun est dans son coin, man, tranquille quoi, voilà. Là au moins, il y a, hein, il y a encore plus de défis à relever au fait, voilà, tranquille. Alors, sachez-le, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Donc toi de Bordeaux featuring Arafat, ou bien toi de Bordeaux, associé à Arafat DJ, man, ça allait donner quoi? Bien sûr qu'il allait arriver un temps où chacun allait chercher à être le number one, ou bien prouver que c'est lui le number one. Mais Joe, tu étais avec Arafat là, tu as vu, il commençait à te phagocyter d'une manière. Voilà, donc man, tu t'es ressaisi, tu es dans ton coin, et là, tu bosses actuellement pour être le number one du coupé décalé. Tu bosses pour rester au pas la nation, tu bosses pour rester toi-même, et ça déjà, j'apprécie. Alors man, le game, il est relancé, et commence à s'accélérer petit à petit. C'est la suite qui m'intéresse, et bien sûr, je serai là pour commenter. Donc, toi mon frère, abonne-toi dès maintenant, et puis clique sur la cloche de notification, parce que les prochaines vidéos, ça sera machin. Break.